Hey, yo tout le monde, c'est le Mentor, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se présenter un petit bridge spam assez particulier, puisque regardez, on a du coup toutes les cartes qu'on peut retrouver dans un bridge spam classique, et on a des sapeurs. Je suis tombé sur cette petite version en regardant un petit peu ce qui se jouait en super défi, et ça a l'air très très fun à jouer. J'ai testé une game, donc on va essayer de jouer quelques games, d'aller chercher un petit 10-12 victoires et puis voir si le deck peut être viable. Comme d'habitude, on teste un petit peu nous dès qu'il y a des petits decks farfelus, les gars. On aime bien tester. Pourquoi j'ai le son en balle dans les oreilles? J'ai remarqué qu'il était un peu plus fort, je crois, sur les vidéos. Allez, on commence direct. Bam, petit sapper split. On n'a pas le time. Lui non plus. GR. Oh, ça commence bien. On a déjà pas de bâtiment. Ça commence très très bien, les amis. J'espère qu'il va pas me mettre un GR derrière, non? Alors. Est-ce qu'il joue BDF ou est-ce qu'il joue... peut-être pas GR en vrai. Peut-être pas GR. Est-ce qu'il a un truc? Est-ce qu'il a un truc pour défendre le Benny là? Que je le zappe. Oh, ça tape. Oh, j'aime trop. Oh, j'aime trop Bridge Spam, les gars. J'aime trop Bridge Spam. C'est vraiment trop fort ces cartes là. Bélier de combat, combien de fois il a connecté sur ma tour alors que j'avais rien demandé. Ok, les petits sapeurs. Ça force la tornade. C'est nickel. Regardez comment on lui met la pression. On met les archers à fond de map pour cycler les veaux. Voilà, pour le moment, on fait un début de game tranquille. Je pense quand même que c'est GR. Là, je pense que ça va l'embêter en vrai. Si je fais ça et ça. Et ça, genre. Oh oui, ça va l'embêter. Regardez comment ça va l'embêter. Hop là! Eh ouais, frérot! Il a ramené le sapeur carrément de l'autre côté. Ok. On a déjà cyclé sur les archères, ça c'est pas mal. Je pense que je vais d'abord... Ah, quoi que je... Je sais toujours pas si je joue foudre ou BDF. J'aimerais bien savoir. Parce que j'ai pas envie de se mettre ça maintenant. Mais j'ai pas envie de claquer mon petit prince. Oh, vas-y, on va mettre le petit prince quand même d'abord. Si jamais il nous met un GR, on est prêt. Il va pas le faire. Ok, on peut mettre ça comme ça. Je crois qu'il lui faut encore un chevalier, lui. Pas sûr. Ouais, là, on peut peut-être la protéger un petit peu, la petite archère. Hop. Allez, on met la presse. Full pression, les gars. Oh, boum. Ah non, mais vas-y, pourquoi il a rajouté un... Pourquoi il a rajouté un chevalier? Il n'y avait pas besoin, là. Bon. Ok. En fait, le fait qu'il n'ait pas de pêcheur, ça me met tellement bien. What? Ok. Ok. Bah, pourquoi pas, en vrai, hein. Il m'a carrément surpris, là, avec son cimetière gel. Je m'y attendais tellement pas. C'est un mois de spam, les gars, j'envoie tout au fond, c'est trop bien. Regardez la voleuse derrière les sapeurs. Oh, c'est tellement le meilleur combo du jeu, les gars. C'est tellement le meilleur combo du jeu. Vas-y, mettez gobelins. Mettez gobelins que je les zappe, bam. Et voilà, mon gars. C'est ciao. Oh, c'est trop fort, hein. C'est trop, trop fort. Ok. Mais attends, mais je vais regarder un petit peu le deck d'en face. J'ai halluciné ou... Ah, j'aurais carrément dû reconnaître que c'était cimetière. Je sais pas pourquoi. Je me suis mis en tête que c'était un GR, mais pas du tout, en fait. Première game plutôt clean, ça fait plaisir. Allez, on enchaîne direct. Voyons voir. En plus, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai un petit compte... Bah, je fais plus les super défis dans le vide. Parce qu'avant, j'étais sur mon gros compte, je faisais des 12 victoires qui me servaient à rien puisque j'étais déjà full max. Là, ça me fait plein d'or et ça me débloque des nouvelles cartes. On continue de maxer le petit compte. On nous fait une petite série où on peut tester des decks. Vas-y, on va mettre le petit prince. Je pense pas qu'il va envoyer grand chose derrière. What the fuck? Ok. On peut faire ça. Ça. Let's go. Let's go. Et vu qu'il n'y a plus les barbares... Allez, mon gars!
Il est temps de passer à la caisse. Je sais pas si vous l'activez la tour du roi, mais... il est temps de passer à la caisse. Et pas qu'un peu, hein. Oh, les dégâts. Il va pas mettre... il va pas mettre guérir ses hommes, rassurez-moi. Pardon. Là, j'étais obligé, là. Non, mais frérot! Calme-toi! Oh, la petite archère! Oh là là, la Kix, les gars, là! J'ai la Kix toute dure, là. Quand ça défend comme ça... ok, il va sûrement envoyer son fer barbare. Une fois qu'il n'y aura plus de fût, on lui envoie la... Ok, petit poison. Petit poison tranquille. Petit poison tranquille. Est-ce qu'on mettrait pas le fantôme? Ah, on va attendre un peu, je pense. On va attendre un peu, on va pas faire les fous. Et si jamais il met un golem, on part pleine balle de l'autre côté. Bah on va partir plein de balles, mais juste de ce côté du coup. Hop, hop. Vas-y, mettons Hydrag, qu'on rigole. Ah non, là frérot, c'était pas... Oh oui, oh. Exceptionnel. Qu'est-ce que tu fais, frérot? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, pas mal. Non mais Clash Royale, il a changé, les gars. Clash Royale, il a changé. Faut juste défendre par contre, parce que si je me fous de sa gueule et que je défends pas, c'est moins drôle. C'est nettement moins drôle. Bah alors mon ref là, mon brother. Ça dit quoi là? On a un peu de mal ou quoi là? Ah bah alors mon ref. Oh mais c'est trop satisfaisant de jouer poison. Le nombre de games que j'ai perdu avec une tour d'avance, mais une fois que vous avez poison, si vous avez pris une tour d'avance et que vous avez poison, les gars, vous pouvez pas perdre. Hein. Vous mettez poison défensif, vous pouvez avoir 15 élixirs de plus, ça défend. Ah, c'est pas pour rien, hein. Quand je dis il faut nerf mineur poison, c'est mineur et poison. Hein. Parce que là, même sans mineur, le deck il fait un bon petit carnage pour le moment. Allez, 8-1. Là, on est bien. En plus, golem guérisseuse qui aurait pu être un match-up compliqué. On a gagné assez facilement, ça fait plaisir. Allez, on resplit les saps. Oh, magnifique. Magnifique. Eh, frérot, ça va s'exploser sur les tours, là. Oh, bim. Bim, bim, bim. Nice. Non, pas deux fois, quand même. Pas deux fois, les gars. Non. Putain, il me régale. Hein. Il me régale, les gars. Oh là 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 là. Je me régale, les amis. Je me régale. Oh là 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 là. Oh, oh le cul des joueurs golem, les gars. Oh, je pleure, putain. Voilà, nettoyage. Aujourd'hui, c'est nettoyage des golems en super défi. On n'est pas là... pour rigoler, par contre, là, c'est chaud, là. On rigole, mais là, c'est chaud, non? Je pense qu'il faut vraiment pas que j'hésite à abandonner la tour. Si ça part en steak, les gars... Oh, putain. Ok. On va peut-être attendre un petit peu. Il sait pas encore que j'ai poison, je crois. Hein. On va essayer d'attendre le maximum, voilà. Et là, on lâche un bon poison bien value. On met le petit prince safe derrière. On peut peut-être faire tourner un petit peu tout ça avec le bélier. Non. Putain, mais... Oh! Mais qu'est-ce que je suis fort à ce jeu vidéo, les gars. Attention de l'autre côté, quand même. Oh putain, c'est parti en coup, là. Ok, c'est parti en coup, j'ai perdu les deux tours, les gars. Je vous le dis direct. Vite, vite, vite. Allez! Allez! Il reste combien de temps? Il reste du temps, il reste du temps. En fait, si je punis pas le golem, vraiment, c'est fini, quoi. Après, il a plus les barbares. Oh, ça va être chaud là, si golem devant. Attends, qu'est-ce qu'il a fait? Ok. Allez, allez. Ah putain. Faudrait qu'il change l'aggro.
Retourne-toi! Oh la game de fou, les gars! Oh la game de fou! Je pense que j'ai l'avantage. Ah, je sais pas, il a plus les barbares quoi. Ah, si, en vrai, ça va. On va essayer d'en attirer une partie pour pas avoir à tous les défendre d'un coup. Oh, ça va être chaud là. Oh, ça va être tellement chaud, les gars. Peut-être les archers rêves qui peuvent faire la diff, mais pour le moment c'est chaud. Voilà, je veux juste pas qu'il m'envoie les barbares en attaque. Ok. Les sapeurs qui temporisent bien. Putain, mais l'hydrag, les gars, il me fait un boulot là. Faut que je maintienne la pression, les gars, c'est full pression à partir de maintenant. Barbare, ok. Oh, les archers rivaux, putain, mais Maïdri, les archers rivaux, Maïdri. Bah allez, c'est parti, on va s'exploser sur la tour. On va s'exploser sur la tour, les gars, on n'hésite pas, on s'explose sur la tour. Boum, let's go. Et on n'oublie pas de BM. Eh bien, on a eu chaud, je me suis retrouvé dans un spot assez compliqué, là, on pouvait pas punir son golem, ça a failli partir en steak, et heureusement qu'on a pas forcé la def, hein. J'ai direct lâché les deux tours, j'ai vu la guérisseuse qui a tourné avec la... La sorcière la nuit, en fait, la sorcière la nuit s'est fait trop soigner dans le poison, enfin, c'était une catastrophe, la toute première def. Du coup, ça nous a mis un peu dans la sauce, mais... Le résultat est là, on a eu une belle game incroyable. En double 3 couronnes. C'est la beauté du sport. Est-ce qu'on met un zap? Ouais, je pense. Là, ça peut être compliqué. Là, si je prends deux coups. Ah, restez sûr. Hein. Ok, nice. Là, ça peut sauter. Hein. Là, ça peut sauter. Ça peut faire très mal. Hein. Oh oui. Ok, on maintient la pressure. La pressure, les gars. Ça prend la tour. Ok. Je mets juste la voleuse à la place du fantôme pour pas que les gargouilles aient gratte. Dans tous les cas, ça force une réponse. Voilà, parfait. Magnifique. Hop. Bam! Salut mon pote, salut le sapeur. Let's go. Allez hop, y'a plus de tour. Wow, le deck est incroyable les gars. Le deck est exceptionnel. Un super défi là. Rien à dire les gars. Rien à dire. Hein. On va perdre la tour évidemment mais... Ça court encore. Hein. Encore. Encore. Oh là 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 là. Encore. Encore du dégât. Hein. Ah, fais-toi plaisir, hein. Le deck en face. Ah, mais c'est du molos en face. J'ai même pas capté. C'est du molos, non? Putain, j'ai même pas capté, les gars. Ok, il va falloir être aggro, là. Il va falloir être super aggro. Parce que là, c'est rush tour du roi, encore une fois. Hein. C'est un peu ça toutes les games, mais... Ok. Oh, j'espère qu'il a pas une BDF. Nice. On va y mourir. Oh le zap. Oh le zap de fou. Oh le zap tardé fou là. Ok c'est bon. On est bien. On est très très bien même. On envoie un bélier à gauche pour maintenir la pression. Bam. On envoie un petit truc à droite. Oh là là. Oh là là. Mais oui monsieur. Encore. Mais oui monsieur. Il ne sait plus où donner de la tête et c'est encore à 3 couronnes. Mais je 3 couronne tout le monde en fait dans cette vidéo. On 3 couronne tout le monde. On fait pas de jaloux. 10 1. Allez on enchaîne. Oh bah j'aime bien. Quand ça trouve des games comme ça direct, on envoie tout au pont. On met que des 3 couronnes. J'aime quand on est efficace comme ça les gars. Efficace in game. Efficace sur YouTube.
Oula. Non, pas un match miroir. Oh non, ça sent, non, ça sent le truc bancal avec le PK et tout. Non, 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 ça sent... Oh, ça sent le truc bancal de fou, les gars. Non, pas un match miroir. Non, on était bien, là. On était bien entre nous, là. Putain. What? 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 Oh, le vrai shot. Je savais qu'il allait faire ça. Je l'avais senti. Eh ouais, frérot. J'ai senti le... J'ai eu le flair, tu vois. Est-ce qu'il va PK? Si PK, je bombarde de l'autre côté. Ok. Oh, on peut bélier fond de map, hein. Si on peut forcer un PK, moi, ça m'irait très bien. Je sais pas comment il va def, là. Ok, ça c'était plus visible. On l'a bien timé. On va pouvoir timer les petits sapeurs de l'autre côté aussi. Hop. Ok. On prend le dash, c'est pas trop grave. On a quand même un bon avantage en élixir, surtout qu'il doit défendre la voleuse encore. Parfait, magnifique. Allez. Oh oui, là on enchaîne bien. Là on enchaîne très très bien, il n'y a plus de zap. On continue de mettre la pression. On lui met full pression. Ok. Oh, j'aime bien quand il y a un pressif comme ça, les gars, là. En fait, les sapeurs sont trop forts, du coup, parce que lui, il joue avec PK. Donc, il peut me mettre beaucoup moins la pression. Ah, mais attends, mais je viens de capter, c'est... Les gars, je viens de capter le... Non, vous moquez pas, je viens de capter le concept du deck. En fait, c'est bridge spam, mais avec sapeur à la place du PK. Je viens seulement de capter le... Je viens seulement de capter le principe du deck. Non, c'est trop... Ah, ça c'est trop aussi. Ça c'est trop aussi. Oh, y a trop de trucs qui sont trop là. Eh ouais, frérot. Eh ouais, frérot. Y a du monde, hein. Pourquoi j'ai pas les archers? Elles sont mes archers et vous? Alors toi, t'as fait ça, là. T'as fait une grossière erreur, mon ami, hein. Une grossière erreur que tu viens de faire là, parce que je vais tout envoyer au pont. Et bonne chance pour def, hein. GG. Ça finit, hein. Bien sûr que ça finit. Dites-moi que ça finit, les gars, je vous en supplie. Sans zap, même pas besoin de zap. Parfait. Et bah, je viens de capter que mon deck c'était juste le... En fait, je pensais que j'étais tombé sur un bridge spam super original. Et en fait, il y a juste une carte qui change. Ouah, mais c'est un bridge spam secret là qu'on vient de trouver là. On a trouvé un cheat code là. Pourquoi la caméra, j'ai l'impression qu'elle est chelou. Genre. Ah, voilà. On va mettre un petit peu. Oula, elle est en train de tomber là. Ah, vous voyez tout ce qui se passe là. Tous les baby dragons. Là, il y a du baby dragon fermé là, regardez. Hein. Regardez, ils sont en souffrance. Ils appellent à l'aide. Mais jamais quitteront cette pièce. Alors. Ok. Est-ce qu'on se ferait pas la spéciale, les gars? La petite spéciale voleuse avec les sapeurs derrière. Est-ce que c'est pas notre petite spéciale maintenant? Ok. Alors là, on est sur un mec réactif. On est sur un mec réactif. Ça risque d'être plutôt fun. Hop. Ok. Repasse Fufu. Ok. Petit bélier. Comment tu défends ça, frérot? Gobelin. Ah, faut capin, hein. Ok. Bon, ça coûte cher du coup pour lui, hein. Hop. Hop. Je suppose qu'il va bûcher à droite. Il veut pas bûche. Ok. Il en laisse un connecté. Il veut pas bûche. Je sais pas pourquoi il a gardé sa bûche. Nous, on va partir là. Faut faire attention s'il envoie un GR. Faut être très, très vigilant. Ok. Je pense qu'on va le push, hein.
Ah, c'est pour ça qu'il gardait son sa bûche en fait. Quoique ça va bien gratter en vrai. Hein. Y'a pas. Ça def bien, ouais. Pourquoi pas. Est-ce que les archers héros vont quand même mettre la pression là? Ah ouais, bah non, pas du tout. Ah ouais, là c'est la merde. On est contre un bon joueur là, hein. Ça fait plaisir. On va me concentrer un petit peu. En plus, c'est la dernière game, on va se concentrer, les gars. Je vous l'avais dit, hein, en plus, GR, que ça pouvait être compliqué dès le début là. Sur la toute première game où je pensais que c'est GR, au final c'est Cimetière. Je vous avais dit que ça pouvait être très compliqué ce match-up. En plus avec les archers, il a vraiment une version super défensive pour le pour toutes mes troupes. Ouais, je pense que j'ai lose les gars. Je pense que j'ai lose, il a GR évolué sur la prochaine. Ah bah non, il joue pas GR évolué. C'est quand même chaud. Qu'est-ce qu'il fait de la merde? Il joue foudre à votre avis? Je pense qu'il joue foudre. On prend le pari. Ouais, il joue vraiment pas bien là. Ah, le pêcheur, il y a trop de trucs qui cassent les couilles, hein. Ah, mes poisons ils sont bancals. J'essaie de le rush avant que... 40 secondes. Ah ouais, je savais qu'il allait retaper. GG. Il va foudre. Dommage. Dommage, dommage, match-up très très compliqué pour nous. Je pense que GR classique ça peut se gagner, mais là avec les archers c'est ingérable pour moi puisque je peux pas les one-shot. Je peux pas one-shot les archers, il a l'esprit en plus, Elec, pour temporiser tous les dashs, tous les le bélier, il a la bûche. Je pense qu'on est sur un des pires match-up pour moi parce que bah, normalement j'ai le PK. Et là il n'y a pas de PK donc je peux pas faire des gros push. Dommage. Dommage, dommage. Allez, fallait bien un petit peu de challenge les gars. Bon, la game était quand même intéressante. Peut-être si j'avais su exactement la déclisse depuis le début, j'aurais pu gagner. Mais est-ce qu'on avait gratté pas mal de dégâts au début, hein. Mais c'est pas grave. Voilà, mortier, au moins. On passe à autre chose. Et on va aller chercher le 12. On va aller chercher le 12. Qui croit en moi? Est-ce qu'il y en a qui croient en moi, là, dans le chat? Dans les coms. Armée de squelettes. Oh oui. Oh non! Je l'ai raté! J'ai complètement fait une monzap. Putain, non. Oh oui, 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 oui. Oh la petite archère, let's go. Après c'est dur, hein. C'est dur de choper instant. Je sais même pas si c'est possible. En fait, je voulais pas que les squelettes... Si les squelettes commençaient à taper le bélier collectait pas. Sauf que du coup, j'étais obligé de zap direct. Et si je zap direct, je peux pas avoir tous les squelettes. C'était un peu le dilemme que j'avais. Est-ce qu'il a un petit sort? On va aller voir tout de suite. Il n'a pas de petit sort, ok, ça c'est cool. J'aurais clairement pas dû défendre ce truc. Hop. Hop. Non, putain, tu vas où? Non, 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 les gars, on peut pas finir la vidéo comme ça. On peut pas finir la vidéo comme ça. Il faut qu'on aille chercher ce 12 là. Le deck, il mérite.
Ah ouais, il va tout m'envoyer au pont. C'est lui qui joue Bridge Pub ou c'est moi? On sait plus trop là, hein. Ah, c'est un truc de fou. Oh, calme-toi, frérot, hein. Ça va bien se passer. Oh oui, ça tape, ça tape, ça tape, je connais. Ah, je le sais que ça tape. Combien de connexions j'ai? Non, putain, je vais pas faire ça, je vais lui mettre le poison. Bah, je pense que j'ai louche sur Smith Click. Quoique, quoique. Bah, il a morti Evo, ça va piquer, hein. Ça va piquer. Ok. Oh là là, je sais pas comment j'ai défend. Putain. Je sais pas comment j'ai tenu, les gars. Je me suis dit, j'espère qu'il a des flèches, il avait une BDF. Putain. Non. Je perds sur ça, les gars. Non. Non les gars, je suis deck, putain! Non! Putain, la chatte! Pourquoi il avait une BDF?